Ça c'est l'entrée, tu donnes directement, c'est ta propre entrée, tu donnes directement dans la rue Passiofstra. T'as un peu d'escalier quand même, un peu raide, mais t'as la barre pour te tenir pour les filles. Et là c'est, tu peux laisser les trucs ici, tu peux laisser les poussettes, crochets là. T'as la place ici pour laisser les pompes, les trucs aussi également. Après tu montes. Là, tu arrives, donc tu as un peu d'escalier quand même. Hein. Tu arrives à grande fleur. Tu as la cuisine là-bas. Qui donne sur le parc. Salle à manger avec les grandes fenêtres. Le parquet est bien. C'est ouvert sur le salon, mais c'est assez grand, je sais pas si ça se rend compte avec la vidéo. Là, tu as une autre porte qui donne aussi sur l'entrée. Tu vois, qui donne la cuisine là-bas. Tu as ces rangements là sur le côté. C'est assez joli, il y a de la hauteur sur le plafond. Fait pas très beau aujourd'hui, il y a une cheminée qui marche. Là, tu as la rue, Schöfstrasse. Et ça, c'est une petite pièce en plus où on peut mettre l'ordinateur, un bureau. À cet étage, tu as aussi les rangements. On peut stocker des trucs ici. Ça. C'est des toilettes. Là, il y a encore des rangements là-bas. La cuisine est pas mortelle, mortelle, mais bon, je pense que ça le fait. Tu as un congélo ici, four, et tu as aussi un frigo ici. Bon, c'est tout petit. Peut-être qu'il faudra qu'on achète un autre frigo. Je pense qu'il y a la place de mettre soit une table, soit un frigo, soit un truc ici. Et tu as un lave-vaisselle ici. Voilà. Donc après, donc quand tu repars là, tu as là, on peut aussi potentiellement ranger des trucs, des manteaux en tout cas. Et là, tu montes. Oui, il y a toujours la rambarde là. Tu as ça qui donne beaucoup de lumière. Après, tu arrives là, tu as deux chambres sur la gauche. C'est une petite chambre d'appoint ou un dressing. Une plus grande ici, peut-être pour Léa, tu vois. Qui est sympa. Ce truc, ça c'est le seul mur pour mettre une armoire si on veut, tu vois. Ou ici. Mais le hall est plutôt grand. Ça, c'est une petite. La petite. Donc ici, tu peux aussi mettre un meuble. Salle de bain. Qui est propre. On peut mettre des meubles en dessous ici. La baignoire est bien. Il y a les toilettes ici. Et il y a une douche. Qui est bien, tu vois, c'est propre, il n'y a pas d'humidité. C'est plutôt pas mal. Et ça, c'est la plus grande chambre. Ce serait notre chambre où tu as la place d'avoir le lit. Et potentiellement mettre un meuble là-bas ou un meuble sur ce mur-là. C'est assez grand. Et ça donne de l'autre côté de la rue, sur le jardin. Et le Vandelpark est juste là, tu vois. Il est là-bas. Plutôt, c'est idéalement situé. Et ça, c'est une autre chambre encore. Donc, tu as quatre petites chambres en haut. Ils vont refaire, ils vont enlever les stickers. Enfin, je sais pas quoi. Mais c'est assez propre. Et voilà, donc il n'y a pas de roof terrasse, tout ça, mais
C'est pas mal.